Scorpion, bien le bonjour, très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du Tarot de l'œil du chat pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux de ce mois de mars 2021. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Scorpion, qu'est-ce que l'on a? On n'a pas d'arcane majeur, mais on a une belle estime de soi. Suffisamment belle pour balayer d'un revers de main toutes les personnes qui pourraient entraver notre chemin. On a donc dans le cœur, tout ce qui concerne les émotions d'eau, c'est au fond de vous. Donc on sait au fond de soi ce que l'on veut, ce que l'on est. On a pas mal de feu qui pourrait traduire un signe ascendant, un signe lunaire ou une autre personne qui vous influence, qui soit du feu. Bélier, lion, sagittaire. On a une petite tracasserie intellectuelle. On a beaucoup d'arbres aussi qui pourraient traduire le signe de la terre, le taureau, le capricorne, le vierge, qui pourraient être aussi dans votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a dans votre énergie entrante du mois de mars, votre désir, la façon dont vous vous présentez? On a cette 2 des étoiles qui va me parler de s'appuyer sur quelqu'un pour avancer. La 2 des étoiles, elle nous parle d'audace, de petite fougue, de petite folie, de petit entrain, d'une chaleur humaine avec une personne où on se projette un peu au loin. Vous voyez, c'est ça. Si vous êtes avec quelqu'un de longue date, ben vous avez peut-être envie de faire de nouveaux projets. Et puis, si vous n'êtes pas encore en couple ou que vous venez de vous rencontrer quelqu'un, il y a une petite vision là, que l'on se projette avec cette personne en se disant, tiens, ça pourrait être bien la bonne personne, ou ça pourrait être le bon moment pour faire telle ou telle chose. Et puis, on est un petit peu projeté l'un et l'autre dans cet avenir. On n'a pas encore sauté le pas, mais on se donne le droit d'imaginer, d'avancer à deux et de se projeter sur un avenir plus ou moins lointain. Donc là, pour moi, la 2 des étoiles, c'est un amour, mais qui agit. Ce n'est pas juste quelque chose qui reste dans le cœur ou dans la tête. On est dans la relation, on avance ensemble dans la relation. C'est ça l'idée. Donc vous avez cette énergie-là. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner de cette énergie d'avancer? Eh bien, c'est la 8 des anges. Alors, soit vous devez quitter quelqu'un pour pouvoir avancer dans une autre relation, soit vous avez une confusion des genres qui consiste à dire « Oui, mais je me suis déjà fait avoir, je ne vais pas quand même recommencer, voilà, une fois mais pas deux. » Et vous pourriez alors peut-être être un peu hésitant et de limiter un peu, comme si vous ne voulez pas mettre la charrue avant les bœufs, vous voyez. Et donc vous pourriez très bien freiner des cas de fer. Le fait que cette avancée qui est très jolie pourrait quand même vous mettre en difficulté à un moment donné. Comme si vous aviez besoin de préparer vos arrières ou comme si vous aviez besoin d'éliminer ce qu'il y a derrière vous pour pouvoir avancer. Vous voyez, la 8 des anges, elle nous parle de confusion dans l'intellect, de ne plus savoir trop où on en est, de voir sombre quand il faut voir clair et inversement. On se trompe un peu ici. Vous voyez, il y a une tromperie de style, mais c'est vraiment inhérent à votre personne. Ce n'est pas les autres qui vous mettent dans cet état-là. Par la force des choses, oui, parce que ça fait partie de votre environnement, mais c'est plutôt vous qui devez prendre une décision. On y va ou on n'y va pas, voyez? La balle est dans votre camp, si j'ose dire. Alors, pourquoi on parle de ce passé, de quelque chose à régler, ou la peur, effectivement, d'avancer? Eh bien parce que peut-être dans votre passé, avec cette 3 des étoiles, vous étiez habitué à avoir un peu plus. Peut-être qu'aujourd'hui la relation elle est un peu équilibrée, où on avance chacun ensemble à sa mesure, alors que dans le passé il y avait beaucoup plus de punchy, beaucoup plus de pétillement, ça allait peut-être beaucoup plus vite, les choses étaient prises en main beaucoup plus rapidement, et la vision d'ensemble elle était beaucoup plus accélérée. Vous venez de cette accélération-là, enfin moi je le sens, et là aujourd'hui, ben voilà, vous êtes à nouveau, on vous propose à nouveau quelque chose, pour dire de revivre, ou de vivre quelque chose d'autre, qui peut toujours être dans la même relation de couple, mais vous freinez des 4 fers en l'air, parce que peut-être votre passé est un échec, parce que, ou alors si ça n'a pas été un échec, ça n'a pas été plus loin que ce qui était prévu, parce que justement, il y a eu un frein à un moment donné. Et ça vous revient en pleine tête. Et ce frein-là, eh bien, vous le mettez dans votre présent.
Donc j'ai peut-être envie de vous dire que ben, va peut-être falloir avancer, prendre une décision. Qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit, mes amis scorpions? On a donc l'état d'esprit, c'est quand même ce dont vous avez conscience. Hein, vous n'en parlez peut-être pas, mais ça vous travaille. On a cette 3 des étoiles, donc ça peut traduire le signe du feu, bélier, lion, sagittaire, vous pourriez l'avoir en ascendant, en signe lunaire. Et peut-être même en signe solaire, si le scorpion, c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Le roi des étoiles me parle d'une personne qui a quand même une certaine autorité, une certaine conscience de vie, qui sait qu'il a bourlingué, qui sait qu'il a quand même quelques stigmates de vie, des cicatrices, des expériences, mais ces expériences sont autant de richesses qui lui ont permis de se construire. Donc c'est une personne qui est sûre d'elle, vous voyez, dans votre tête, vous savez où vous allez. Et vous êtes également une personne qui, est, malgré tout ce qu'il a vécu, ne veut pas rester dans sa zone de confort, qui est déjà prêt à réentamer quelque chose d'autre. Donc ça va bien évidemment parler à des couples recomposés, ou à des couples en formation, ou en reformation, ou des couples qui sont dans la routine et qui ont besoin de faire de la nouveauté. Vous savez parfaitement que ce que vous aviez entrepris dans le passé n'a pas toujours réussi. Mais il n'empêche que vous, vous êtes accroché, vous avez avancé, vous avez réussi, et il n'empêche que vous êtes quand même prêt, vous avez envie de faire autre chose. Mais on se bloque le chemin, soit parce qu'il faut quitter une ancienne situation, soit parce que votre passé vous a dit que vous êtes allé très vite et que vous vous êtes trompé, ou très vite, et puis ça a fait comme un soufflet, ça a gonflé d'un coup et ça a rapetissé. Et donc ça crée une confusion dans votre tête de vous dire « je dois partir, je dois rester, je tourne le dos pour aller chercher une abondance ailleurs », c'est un peu ça l'idée. Bon, vous avez de la force malgré tout. Votre force, c'est de toujours rebondir pour quelque chose de plus solide. C'est-à-dire que chez vous, il n'est pas question de faire un pas en avant, un pas en arrière. Pas sur ce mois du moins. L'As des arbres nous parle d'un nouveau projet de réalisation de soi où on écrit un nouveau chapitre de son histoire. L'As des arbres me parle aussi de quelqu'un qui, grâce à son expérience de vie, est en mesure de construire quelque chose de beau, de nouveau, de fruité, si j'ose dire, c'est le mot qui me vient, enraciné avec des expériences de vie qui vont lui servir de leçon. C'est-à-dire que toutes les difficultés que vous avez pu vivre, vous êtes en mesure de les mettre à votre profit, de faire du mauvais quelque chose de bon et de solide pour vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est extrêmement positif parce qu'avec vous, eh ben, on n'a pas peur d'avancer tout compte fait. On peut y aller. Et votre présent, comment vous le vivez? Eh bien, dans votre présent, avec cette 8 des arbres, on va me parler de la compétence que vous faites pour dire de faire en sorte à ce que ça aille. C'est-à-dire que malgré vos difficultés, soit vous restez dans votre triangulaire et vous faites en sorte à ménager la chèvre et le chou, soit vous allez prendre une décision, mais qui va obligatoirement, c'est ce que vous faites du moins dans votre présent, hein, c'est ce qui se met là maintenant, vous faites en sorte à arranger les bidons de tout le monde, ou au moins vos bidons. Vous êtes poussé vers une expertise, si j'ose dire, une expertise qui vous dit, ben voilà, tu sais que chemin que tu dois prendre, mais tu sais que ce chemin-là, ben, il n'est pas tout tracé, et qu'il faut peut-être accepter de rentrer dans ce vortex. La décision finale, elle sera toujours la même, mais peut-être qu'il faut varier dans la façon de prendre cette décision. Au lieu de prendre le chemin tout droit, et ben peut-être qu'on va faire des cercles, tout doucement, jusqu'à ce qu'on aille là où on doit aller. Donc c'est vraiment de la maîtrise que vous avez dans votre présent, de la compétence et du savoir-faire. Tout ça pour dire effectivement de réécrire une nouvelle histoire de votre vie. Qu'est-ce que l'on a au fond de soi? Alors comme si votre esprit ne suffisait pas à ce que vous soyez sûr de vous, hein, autoritaire, créateur de votre vie, au fond de vous, dans ce qui fait votre moi profond, votre spiritualité, votre croyance qui est inébranlable, on a cette 10 des cœurs. La 10 des cœurs me parle d'une personne qui aime toutes les parties de son cœur, qui aime tout ce qui l'entoure, qui n'a que de l'amour et de l'abondance. Là, clairement, je dirais que vous avez un trop plein d'eau qui est à ras-bord et vous êtes nourri, intérieurement nourri. Vous êtes à l'apothéose de votre vie qui fait que vous êtes comblé. Vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer,
mais au fond de vous, votre cœur est bien, il est heureux, et c'est pour ça que vous empruntez ce chemin-là, parce que même si vous tournez autour du pot, ben vous y allez quand même, parce qu'il y a de la beauté, il y a de la beauté qui va pour vous dans le sens que vous voulez aller. Alors, votre plus grand défi, eh ben, il va falloir faire des choix, il va falloir mettre un peu de rêve dans sa vie, il va falloir avancer. La page des arbres va me parler du rêveur. Il est peut-être temps que le rêveur vive sa vie avec ses rêves. Il est temps que le rêveur, qui a peut-être une idée en tête depuis un petit moment, prenne son envol comme cette colombe et se dirige vers la lumière. Il faut savoir que le rêve en défi me dit que ben, c'est peut-être la seule chose que vous devez faire actuellement. Parce qu'entre ce roi des arbres qui est prêt à enclencher un nouveau processus et dans le fond de votre cœur vous vous sentez comblé, et ben, il n'y a plus qu'à matérialiser tout ça, à faire de nouveaux projets, peut-être acheter votre maison, à chercher un appartement ou un logement pour s'installer ensemble, envisager un bébé, j'en sais rien. Mais là, on vous dit que ben oui, c'est possible. Et plus vous allez vous envoler comme cette colombe, plus vous allez aller vers la lumière et plus vous allez accéder à une vérité qui est la vôtre. Donc ça, c'est dans votre défi. Alors, malgré tout ce que je vous dis, est-ce que c'est le chemin que vous allez emprunter? Eh bien, on semble me parler de la 4 des arbres. C'est pas gagné, en fait. C'est pas gagné parce que la 4 des arbres me parle de quelqu'un qui veut tout, qui retient tout, qui contrôle tout, qui est un peu avare. Alors, l'avarice, c'est pas forcément la radinerie au sens financier, mais elle est avare au sens matériel quand même, en ce sens que ce qu'elle a acquis, elle l'a acquis à la sueur de son front. Et elle l'a acquis à travers ses expériences de vie. Donc on grandit, hein, avec cette 4 des arbres, on grandit, on apprend ses expériences, on se crée un petit jardin, on se crée une petite maison, on met des petits tableaux, des petites dentelles par-ci par-là, c'est très bien. Et là, le chemin que vous semblez prendre, c'est de ne rien lâcher. Alors pourquoi? Est-ce que vous allez être dans une rupture et vous allez vous battre jusqu'à la petite cuillère? Ou est-ce que vous allez vouloir vivre les deux relations l'une l'autre, ou est-ce que vous allez rester dans votre situation parce que justement vous avez peur de perdre un petit confort de vie? Je ne sais pas ce que vous allez vivre, c'est à vous de me le dire et c'est à vous de me dire le chemin que vous empruntez. Mais moi, ce que je pense, c'est que malgré tout, malgré le fait que vous êtes capable de faire de très belles choses, d'être dans la création, dans la bienveillance pour vous, eh bien, la 8 des anges me dit que vous êtes capable de ne pas partir d'une situation dans laquelle vous êtes pour la simple et unique raison que vous avez suffisamment de bien-être matériel. Comme si vous allez choisir le bien-être matériel avant autre chose. Voilà. Comme si la reconstruction d'une nouvelle activité, c'était demander de trop lâcher. Ou alors vous êtes capable de partir avec force vers votre nouveau projet en emportant tout ce que vous avez avec vous. Ben, à un moment donné, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir effectivement va falloir lâcher le contrôle, lâcher prise et faire des choix. Et encore, même si on ne fait pas des choix, il faut au moins lâcher prise. Si vous pouvez avoir, l'autre ou les autres doivent aussi pouvoir avoir à leur juste valeur. Voilà, mes amis scorpions. Maintenant que le tirage est sorti, je vous propose un approfondissement que je fais sur Vimeo. Alors, beaucoup d'entre vous ont l'habitude de me rejoindre et je les remercie. Je sais que vous attendez ces approfondissements. Je me répète toujours pour ceux qui me découvrent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez alors choisir sur location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo, avec des petits bonus bien sûr, ou l'abonnement pour avoir accès à vos vidéos générales et sentimentales. L'abonnement se renouvelle tous les mois évidemment, mais vous êtes libre de vous en libérer à chaque instant, de ne rien prendre du tout ou de ne rester que sur la location si ça vous intéresse. L'idée, c'est que vous restiez entièrement libre de vos faits et de vos gestes et surtout de vous faire plaisir, sachant que les prix sont complètement dérisoires. Bon, c'est franchement très abordable, si ce n'est pas dérisoire, c'est abordable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a encore la 3 de bâton et la 7 de bâton. Hein. Il y a une recherche de maîtrise dans ce que vous vivez actuellement. Bon, qu'est-ce qu'on a sur cette 2 des étoiles? Sachez aussi que sur Vimeo, je peux rajouter des cartes, hein, ça m'arrive assez souvent.
quand j'ai besoin d'avoir des précisions supplémentaires. Ah ben, comme par hasard, on a encore la 3 de bâton, c'est la 3 des étoiles. Hein. Donc, vous voyez, ce qu'on avait à la coupe, on l'a ici qu'elle ressort. Comme quoi, les cartes, quand elles doivent parler, elles parlent. Contre cette 3 de bâton et cette 2 des étoiles, c'est les mêmes cartes, on a la 8 des anges. Et qu'est-ce qu'elle nous dit là? Oh là là, ça saute. Alors, je ramasse la petite carte. Je ne vais pas la garder parce que pour moi c'est une explosion, c'est pas un saut. Qu'est-ce qui nous met en confusion? On a l'apprenti de coupe. Eh oui. Une nouvelle émotion quand même. Hein. Sur cette 3 des étoiles qui nous vient de notre passé. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis scorpions? Ou oh, bah alors. Allez, je vous les mets à deux. On a la 7 de coupe et on a l'époux, l'empereur, inversé. Sur cet as des arbres qui fait votre force, ça veut parler. Un message clair pour mes scorpions. Ici, elle a sauté, on me parle de la reine de bâton. Alors, j'éternue. Sur votre état d'esprit, nous avons la 3 de denier. Sur votre présent, nous avons la 9 de bâton. Sur votre intérieur, nous avons la 8 de coupe, vous voyez, elle ressort. Ouais. La 8 de coupe, elle me parle quand même de départ vers autre chose. Ouais. Je ne suis pas trop étonnée, c'est marrant. Hein. Dans l'approfondissement, je le vois comme ça de toute façon. Dans votre état, dans votre défi, on a le pendu qui est avec le rêveur. Et enfin, le chemin que vous entendez prendre avec la 4 des arbres, c'est la 3 d'épée. Donc vous allez littéralement vers le conflit. Bon, peu importe, ça ne va pas durer de toute façon. Mes amis scorpions, pour ceux qui me suivent, je vous invite à vous inspirer d'une question qui vous interpelle et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que la réponse ne sera pas oui ou non. Elle peut l'être, mais elle sera précisée de ce qui vous attend par rapport au chemin que vous entendez prendre. Voilà, c'est ça l'idée. Donc la question c'est, ben voilà, qu'est-ce qui va m'arriver suite à telle aventure ou suite à ce que je vis ou à la façon dont je ressens les choses. Pourquoi, comment et où vais-je? C'est un peu ça l'idée. Hein. Ici, on a les deux premières cartes qui ont sauté, la 3 de pique et la 6-7 de carreau. Vous vous présentez comme étant la 10 de carreau. Et les deux prochaines cartes pour mes amis scorpions. Allez, un message clair, voilà. On en a deux. On en a trois, c'est trop. Oh là là, il y a du monde sur les énergies. Un message clair pour mes scorpions. Ici, elle se détache. Oh, on en a deux. On a la consultante, donc l'esprit féminin, avec l'as de pique. Et la dernière carte, elle saute. Nous avons la 9 de pique. Allez, toujours pour vous, mes amis scorpions, pour vous aider à prendre des décisions, à aller là où vous devez aller, je vais vous tirer une carte oracle de l'archange Gabriel, qui est une carte conseil et de protection qui va notamment vous aider à vous recentrer sur l'énergie principale, à vous concentrer sur l'essentiel pour passer tout ce qu'il y a à passer sur ce mois de mars.
J'aime beaucoup ces cartes conseils, elles sont très, très douces. Elle s'est retournée, la Terre-Mère. Voilà votre carte conseil et d'enseignement que je vous lirai également sur Vimeo. Mes amis scorpions, pour ceux qui me rejoignent sur l'autre site, je vous dis à tout de suite, hein, vous cliquez sur le lien en description. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez, j'adore vous lire, j'adore vos commentaires, j'adore vos échanges. Vous avez votre tirage général qui est sorti pour le mois de mars, vous avez aussi les tirages spéciaux pour les couples qui sont en difficulté ou pour ceux qui, sans être en couple, ont de difficultés interrelationnelles. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le regard de l'autre pour voir si vous pouvez analyser, avancer et trouver des solutions. Vous avez également votre roue astrologique qui va vous parler des énergies qui circulent sur toute l'année. Donc n'hésitez pas à les consulter et à voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres précisions. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous dis bon courage pour le mois parce qu'il va falloir peut-être articuler toutes vos envies. À bientôt, bisous bisous.